Eh bien salut à tous, c'est Kiwik, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour les nouveautés de la semaine. Donc on va voir le véhicule sur le podium, on va aussi voir le véhicule du podium dans le salon auto. Et on va voir les véhicules en réduction, les bâtiments, enfin bon comme d'habitude. Donc on a la Adder, ok très bien, un très très bon véhicule. Bon le premier véhicule super bien qu'il y avait au début de GTA. Mais en tout cas ouais sympa, la Adder c'est vraiment cool. Je vais tenter de le gagner même si je le possède déjà évidemment. Mais ouais non franchement Adder très très bon véhicule. Il fait toujours l'affaire, simple, efficace. Bon le problème c'est qu'il coûte 1 million, c'est quand même un petit peu cher. Mais bon un peu moins cher que les autres véhicules qu'il y a. Mais en tout cas ça fait plaisir, une petite Adder. Donc on va tenter et du coup... Non c'est mort, c'est complètement mort. 40 000 $, ok. Bon bah je prends, c'est un plaisir. Donc en ce qui concerne le podium du salon auto, donc on a la Growler. Donc la Growler qui est un très bon véhicule, qui fait vraiment le taf. Donc pour le débloquer, vous devez tout simplement faire 8 courses, remporter 8 courses. Donc voilà, c'est simple, efficace. Donc vous pouvez le faire d'ores et déjà, donc le débloquer dès aujourd'hui. C'est pas comme les autres trucs où il fallait par exemple faire sur 3 jours etc. Donc ça c'est plutôt pratique et ça c'est plutôt cool. Donc en ce qui concerne les véhicules à tester, donc on a la Comet S2, donc très très bon véhicule. On a la Previon, donc la Previon qu'on peut d'ores et déjà acheter, donc ça c'est plutôt cool. Et on a la RT3000, donc RT3000 qui fait aussi grave le taf, qui est plutôt un très très bon véhicule. Donc voilà en ce qui concerne les véhicules à tester. Donc en ce qui concerne les réductions des véhicules, donc on a la ZR350. Donc la ZR350 c'est un véhicule du nouveau DLC, donc un très très bon véhicule. Donc vous pouvez l'avoir à 1 130 000, donc si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas assez de réputation. Et si vous avez assez de réputation pour le débloquer, vous pouvez l'avoir à 847 000. Donc clairement si vous pouvez l'avoir à 847 000 c'est très très bien, c'est un très très bon véhicule. Donc voilà. On a aussi la PR4, donc une Formula, donc en réduction, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà une Formule 1 c'est simple, efficace, c'est très rapide, ça tombe très bien. Bon c'est pas le meilleur des véhicules en soi, mais voilà la ZR4 qui est à 2 400 000. Bon voilà au lieu de 3 500 000, donc voilà c'est pas forcément le meilleur achat à faire, mais en tout cas ça fait plaisir. Donc on a aussi la Immorgon, donc la Immorgon qui est pas forcément un très très beau véhicule. Bon en termes perf il est plutôt pas mal, mais bon voilà. Donc il a 2 200 000, donc quasiment 300 000, 1 300 000 on va dire. Et 2 100 000 au lieu de 2 100 000. Donc voilà, c'est pas la meilleure des réductions. Mais bon voilà, ça fait plaisir, c'est en réduction, c'est cool. Donc bien évidemment, on a la Karine Previon qui vient de sortir, qu'on peut d'ores et déjà acheter. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc le véhicule n'a pas l'air très très beau, mais bon il a l'air peut-être d'être rapide. Donc on regarde les perfs. Donc ouais, en termes freinage, il est pas foufou. Mais bon voilà, le véhicule a l'air d'être plutôt rapide. Donc on a aussi dans Sanzern le Lampadati Micheli GT. Donc le Micheli elle est plutôt simple, efficace. C'est pas le meilleur des véhicules non plus. C'est un véhicule simple, efficace. Mais bon voilà, donc 700 000 à la place d'un 1 200 000. Bon voilà, c'est pas forcément le véhicule à privatiser. Mais bon voilà, c'est en réduction et ça, ça fait plaisir. On a aussi la Autrin Sabre. Donc bon voilà, c'est un véhicule de stock car. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le véhicule est plutôt sympa. Il est pas forcément très maniable. Il est pas très très rare. Enfin, en termes maniabilité, il est pas ouf. Mais bon voilà, il est quasiment à 500 000 au lieu de 830 000. Bon, voilà, c'est pas forcément le meilleur véhicule. Mais bon, si vous voulez faire un petit kiff, prenez-le. On a aussi en réduction la Buffalo Sprunk. Donc la Buffalo version, la Buffalo S en version Sprunk. Donc voilà, donc moi je l'ai gratuitement, mais normalement vous l'avez, si vous n'avez pas, je crois, je sais plus pourquoi je l'ai gratuit, mais en gros si vous ne l'avez pas gratuit, vous avez un certain prix. Donc voilà, donc bon c'est pas forcément le meilleur des véhicules, même s'il fait le taf, il est simple, efficace, mais bon c'est pas forcément le meilleur des véhicules. Donc pour une fois on a des avions en réduction, mais bon là c'est plus le dirigeable. Donc on a le dirigeable en réduction, donc bien sûr avec n'importe quel... on va dire couleur, voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, il sera toujours au même prix. Donc si vous avez fait la réduction pour si vous avez terminé 10 missions pour la boîte de nuit, donc vous pouvez l'avoir à 537 000. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est vraiment très sympa. Et sinon vous l'avez à 714 000. Bon voilà, c'est pas forcément très cher, mais bon voilà, c'est le dirigeable, il est plutôt sympa. Bon, il est pas forcément très utile, mais bon voilà, si vous voulez faire un petit kiff, il est plutôt simple. Et aussi on a l'Alpha Z1, donc l'Alpha Z1 qui est un avion simple, efficace, qui est plutôt assez rapide. Bon voilà, donc vous l'avez à 1 200 000 au lieu de 2 100 000. Et si vous avez fait si vous avez terminé 9 missions de frais de vol
aérien, donc vous l'avez à 957 000 au lieu de 1 500 000, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, un petit avion simple, efficace, mais bon, pas forcément utile à acheter. Et cette semaine, on a les boîtes de nuit qui sont en réduction. Donc, on a aussi les rénovations qui sont en réduction. Donc, voilà, les rénovations qui sont en réduction. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, ça, c'est simple, simple, efficace. Et voilà, la boîte de nuit, très utile, très sympa, très chill. Donc, voilà, ça fait plaisir. Donc, on se concerne les activités. Donc, cette semaine, on a dans le mode de réalité sans plomb et le mode sans plomb en ville. Donc ça c'est plutôt cool, donc je sais pas ce que donne cette activité dans laquelle j'ai jamais faite, mais voilà, donc c'est dans le mode de réalité. Et en plus c'est plutôt simple à trouver, donc vous allez tout simplement en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar. Vous êtes dans le mode de réalité, vous allez tout simplement, vous allez en haut et ça vous emmène tout en bas. Et c'est ces modes de jeu là qui sont en doublé, donc voilà, ça c'est plutôt sympa. On a aussi les productions de boîtes de nuit qui sont en doublé. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, voilà, c'est cool, donc, d'où le fait que les boîtes de nuit sont en réduction. Donc profitez-en si vous n'avez pas de boîte de nuit pour en acheter une, pour pouvoir farmer les productions de boîtes de nuit, comme ça vous pourrez les revendre en doublé, ça c'est plutôt cool. Et pour terminer, donc ça c'est pas de l'argent malheureusement, mais bon voilà, c'est toujours sympa à savoir. On a double de réputation sur les courses du nouveau DLC, donc voilà. Donc, les réputations pour le nouveau DLC, c'est tout simplement pour débloquer par exemple des vêtements. Bon, c'est pas forcément les meilleurs vêtements, mais voilà. Et pour avoir des réductions sur les véhicules du nouveau DLC, donc ça c'est plutôt sympa. Mais bon, ça fait plaisir. Donc en ce qui concerne Twitch Prime, donc si vous avez associé votre compte Side Club, ton Twitch Prime, donc vous avez la même chose que la semaine dernière, donc c'est-à-dire les 100 000 dollars habituels, la Tailgater S du nouveau DLC qui est plutôt sympa, et on a aussi la Flash GT. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc cette semaine on a eu des trucs plutôt sympathiques, même si c'est pas vraiment foufou. Mais bon, on verra ce que Rockstar nous réserve la semaine prochaine. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et d'activer la petite cloche de notification, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, et moi je vous dis bye les gars.